Vous regardez M6 Info. Vous pouvez venir une par une. Allez-y, n'ayez pas peur. Ce n'est pas une séance d'autographe, bien au contraire. Eugénie Le Sommer valide elle-même les inscriptions. C'est quoi ton nom ? Donne elle-même les maillots, puis les consignes. Qui sait ce que c'est un passement de jambes ? Au menu, un peu de physique, beaucoup de technique. Et on peut faire ce côté-là et on part là. Puis des matchs. Pour toutes ces jeunes filles, jouer avec l'attaquante de l'équipe de France, leur idole, c'est un rêve qui se réalise. Parce que elle est forte, elle a de la technique. C'est entre guillemets une star, une grande joueuse. Elle est forte au foot et j'aimerais bien être comme elle. Mais avant d'être comme elle, il faut s'entraîner comme elle. Essaye de garder le ballon proche de toi. Quand celle qui vous parle compte plus de 150 sélections en bleu, il s'agit de l'écouter. Je suis sûre que tu peux y arriver en plus, c'est sûr. Petit conseil sur la conduite de balle, immédiatement mise en pratique par Ombline. Ça fait bien d'avoir des conseils d'une pro. Oui, elle est super forte et je l'admire. Quand j'avais leur âge, il n'y avait pas ça. Et les joueuses de l'équipe de France, je ne les connaissais pas du tout. Les joueuses n'avaient pas cette notoriété pour faire un stage comme ça. Donc c'est ce qui a changé aujourd'hui. Et, même si je n'ai pas pu le faire quand j'étais petite, là je me mets à leur place et je leur donne ça. Généreuse, impliquée, la Bretonne met tout en œuvre pour promouvoir le foot féminin. Ici, avec ses 2 jours de stage, ou sur le terrain à quelques mois de la Coupe du Monde, et cette génération n'attend que ça.